Petit retour de mes achats de vide-grenier geek et magasin aujourd'hui. Par quoi je vais commencer? Par ma petite découverte du jour. On va un petit peu faire un petit quiz. D'après vous, c'est une figurine de quoi? Voilà, je vous aide encore. Le même personnage là, voilà. Et un des méchants. Eh bien ça, ce sont des Robin des Bois de la série de la BBC en 3 saisons que j'aime particulièrement. Donc je savais même pas qu'il y avait des figurines. Bon, on serait un petit peu douté, mais bon, vu qu'on les a pas eu en France, voilà, on peut jamais être certain. Donc il y a eu des figurines, en voici la preuve. Et donc c'est mes premières figurines de cette collection. Donc je vais voir s'il y a moyen d'en trouver d'autres. Bon, il n'est pas question de les acheter une fortune hein, parce qu'elles sont pas très belles. C'est plus pour le fun. Voilà, donc c'est une première chose. Ensuite, je me suis pris ça. Est-ce que vous connaissez? C'est Hellspont, le méchant des Wildcats, un comics de Image. Donc voilà. Je trouve qu'il est un peu classe. Je me suis pris un petit Borg de Star Trek. Loup le Borg. Resistance is futile. Voilà. Une April O'Neil des Tortues Ninja de 2003. Et le Master Hun aussi, les Tortues Ninja de 2003. Parce que dans les collections des Tortues Ninja, on trouve très facilement des tortues de partout, mais les autres personnages, surtout les méchants comme ça, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, donc c'est la première fois que je l'avais. Ensuite, nous avons ce personnage que je ne savais pas du tout d'où il sortait. Je vous laisse quelques secondes pour donner votre avis. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un personnage de Earthrealm Jim, donc le ver de terre, le jeu vidéo que vous connaissez peut-être, hein, qui était sorti sur Super Nintendo et d'autres trucs à l'époque. Voilà. Donc c'est une figurine de Earthrealm Jim, donc le ver de terre Jim, littéralement. Donc voilà, je l'avais pas. Ensuite, nous avons un petit Hurricane Polheimer. Alors, Hurricane Polheimer, c'est un autre personnage de la Tatsunoko, hein, qui est le studio qui avait fait la bataille des planètes. Donc voilà, donc du coup, un Polheimer. Là, nous avons un petit Doraemon. J'avais déjà quelques-uns de ces petits Doraemon qui sont sympatoches. Voilà. Ensuite, nous avons un War Machine, un Pizzaiolo. Avec des trucs un petit peu. Est-ce que j'ai juste une mise au point? Voilà. Ça vient d'un Emmaüs, ainsi que ce Transformer. Voilà. Et celui-là, moi, Grimlock. Et pour terminer avec les Emmaüs, ce Beman, des nouveaux héros que j'aime particulièrement. Et Emmaüs, j'y arrivais à. J'ai trouvé aussi. Ah, Krusty Bat, qui peut te battre? Je savais même pas qu'il y avait des peluches de Krusty Bat. Oui, avec tout ce qu'il faut. Krusty Bat, qui peut te battre? Voilà, Krusty Bat. sinon, au vide-grenier du geek, donc j'ai trouvé quelques disques. Shazam, pas confondre avec Shazam, hein, bien sûr. Mumbly. Et Ding Dang Dong. Donc c'est des histoires hein, de trucs de la Hanna Barbera. Donc j'en avais d'autres. Je vais pouvoir ainsi les mettre avec ma collection. Qui n'est pas complète. Donc j'ai le numéro 1 Scooby-Doo. Le numéro 2 Hong Kong Fufu. Le numéro 3 Mytho. Le numéro 5 Capitaine Caverne! Donc, non, il n'y a pas marqué là, c'est pas sûr. Ouais. Le 5, donc après, donc ceux que je viens d'acheter, qui sont les 9, 10, 11. Ensuite, on a Diddly la pieuvre, qui est le numéro 13. Sans secret l'écureuil, qui est le numéro 14. Et Bajou, le numéro 15. Voilà ceux que j'ai. Et normalement, derrière, donc il y a la collection. Donc, il me manque. La Vallée des Dinosaures, Momo et Ursule, les Fous du Volant. Et même pas tous les numéros là. Ah, c'est pratique. Tiens.
Est-ce qu'il y en a d'autres là? Ouais, c'est ça, mourir. Et Dinky, ouais. Tout doux Dinky. Et en plus, je vois que déjà à l'époque, il y avait déjà Éric le Grand qui était sur les rangs, ainsi que Céline Montsara. Voilà, hop. On n'a pas fini. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? On a trouvé aussi un personnage de Robotech, un maître de la robotechnologie. Voilà, sous blister. Là, nous avons une lunchbox. Pouf. De la planète des singes de Tim Burton. Tim Burton, on sent pas trop foulé, c'est la même chose de tous les côtés. Mais il n'y a pas que la lunchbox, puisqu'à l'intérieur dedans, plaf, vous avez aussi votre thermos qu'on peut coincer. C'est bien pensé, ça toque. Je veux pas spécialement, mais c'est bon, c'est pas cher. Hop, et puis au Leclerc, j'ai complété ma collection de rétro. Marvel Legends avec Venom, Falcon, Reed Richards, Mr. Fantastic, Dark Phoenix et Wolverine. Et on va terminer avec notre maître de l'univers, Musclor spécial 40 ans. Voilà. Un bon gros bébé. Master of the Universe. Masterverse. Voilà. Voilà pour les petites trouvailles d'aujourd'hui. Et c'est pas Nasnarf Nigo.